Accélère de la montagne. Il va faire la même vanne à chaque fois, ce connard. Eh oui, bien évidemment, bienvenue. Salut les petits culs, bienvenue sur YouTube. Sur le YouTube Poney Club, bien évidemment. Moi, j'officie essentiellement sur Twitch, bien sûr, du même nom, avec 3 E à Poney. Vous pouvez me retrouver faire du biathlon en ce moment. Maintenant, peut-être que vous regardez, je sais pas, la vidéo et qu'il est très tard. En quel cas, bah écoutez, pas de problème, voilà. Je sais pas, peut-être qu'on est passé à autre chose en termes de jeu. Peut-être qu'il y a un nouveau jeu de biathlon, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On va faire une carrière avec un Uruguayen argentin, puisqu'il n'y a pas d'Uruguay sur NGL Biathlon. NGL Biathlon qui est un jeu de biathlon gratuit. Et comment installer tout ça? Eh bien, le lien dans la description vers une de mes vidéos où j'explique tous les settings, etc. Il y a tout qui est bien décrit dans une courte vidéo de 10 minutes sur la chaîne. Tu peux la trouver, tu peux la chercher. De toute manière, elle est dans la description. Je t'envoie le lien directement vers la vidéo si tu veux avoir toutes les infos. Et puis sinon, nous on part sur une carrière, voilà, une carrière de biathlète. On a créé donc dans Athlète notre ami, on a créé donc des femmes, Wanda bien sûr, Icardi hein, l'Argentine, Mafalda bien évidemment, et chez les hommes on a créé 4 hommes. Pourquoi? Pour faire des relais. Pensez, comme il n'y avait pas d'Argentin, on est les premiers à vous avoir créé. Moi sur Twitch je fais ma carrière avec Francisco Panache bien évidemment. J'ai donc créé Nico Delamore, Luis Suarez et Diego Maradona. C'est pour faire des relais en World Cup. Pour moi, on va démarrer en IBU Cup, qui est à peu près l'équivalent de la deuxième division. Il n'y a pas de relais. Mais après, il y aura des relais mixtes avec donc des femmes. Donc, il faut créer en moins deux hommes, deux femmes. Des relais single mixte, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites deux tours chacun, mais c'est un homme, une femme qui font à chaque fois deux tours. Et des relais hommes, du coup, vu qu'on va jouer avec un homme. Ah, donc, il faut 4 hommes pour pouvoir le faire. Donc là, on les a créés. Ensuite, on va aller en carrière. On va faire une nouvelle carrière. On va aller choisir du coup notre ami Nico Delamore. Et Nico Delamore, ça part. On va se mettre en médium pour démarrer. On verra si c'est trop simple ou pas. Voilà, parce que maintenant, je suis quand même un franc-tireur. On va jouer à 4 tirs en mastart. 2 par relais. Juste moi sur le relais. Voilà, sinon tu peux contrôler tout le monde. En nombre de... comment dire, d'étapes, on va en mettre 5 pour essayer d'augmenter les saisons. On va faire 5 étapes par saison. Les étapes se semblent, les étapes souvent comprennent entre 3-4 courses. Starter League, on va démarrer en IBU du coup. Il y a plusieurs liens, vous pouvez démarrer en junior, qui est vraiment donc pour les très jeunes, en Europe Cup, qui est la 3ème division, 2ème division, et le Graal, la World Cup, bien évidemment. Rival Arzakar, oui, c'est pour créer des nouveaux joueurs. On met un max d'athlètes, on met des transferts aussi, vas-y, Athlète League Transfert, ça marche. Ça part sur la Ligue, ça part directement. Et là, ils sont en train de générer, voilà, a new biathlon season is beginning. Oh putain, oh putain, ça part, ça démarre. Let's go, nouvelle saison pour Nico Delamore, bien évidemment, qui est une référence à un joueur sur Football Manager, qui est Nico De La Cruz, une pépite que je prends à chaque game Football Manager, et qui donc, voilà, avait envie de faire un peu de biathlon, et on le comprend. On le comprend, bien sûr, tout le monde a envie de faire un petit peu de biathlon, finalement. Je vais vous montrer quand même que j'ai une petite particularité. C'est qu'il y a chez moi un stand de tir. Alors bon, normalement, c'est le stand de tir de Francisco Panache. Mais il est sympa, il nous le prête, notre ami. Alors on va aller tirer juste un tout petit peu. Voilà, on va aller tirer juste pour vous montrer et vous prouver qu'on est en capacité, voilà, de faire quelque chose de grand. Alors j'ai chargé sur ma carabine, bien évidemment, Martin Fourcade, qui n'est autre que, voilà, un héros. Bien sûr, notre leader à tous. Celui qui nous a donné envie de le faire. Je charge la dernière petite bandrille. Ah putain, je charge rien du tout, elle est tombée. Bon allez, on va le faire à 4. On va le faire à 4. Ça va partir. La première qui tombe. Et ça augure que les choses de bonnes. Ça augure vraiment les bonnes choses. Puisque voilà, 4 tirs, 4 cibles tombées. Ça sent bon le billard. Hein. Ça sent bon le biathlon, ça sent bon le biathlon, c'est parti. A new season beginning, comme vous pouvez le constater. On démarre donc en IBU Cup. On est plutôt au milieu de tableau, voilà, on est ventre mou, avec une note générale de 78. On a normalement Luis Suarez qui est avec nous. On a également Diego Maradona et Francisco Panache. Donc, est-ce qu'on va réussir à monter en World Cup avec tout le monde? Je vous dis ça et vous le voyez pas, je suis un connard, pensez ça, notez-le en commentaire. Est-ce que vous estimez que oui ou non, je suis un connard? Mettez oui ou non, mettez pas trop le reste, ça peut me vexer. Donc on est avec nos quatre Argentins, du coup, en IBU Cup. Qui va monter? Qui va rester? Qui va stagner? Est-ce que nous, on va stagner? Il faut être dans les 6 premiers de l'IBU Cup pour monter en World Cup. On ira donc au Canada, j'aime pas du tout ce circuit, faire une course individuelle. La course individuelle, vous allez le voir, c'est 5 tours. Il y a 2 tirs couchés, 2 tirs debout. Le sprint, donc c'est une course où il y a 3 tours, 1 debout, 1 couché. Et il faut finir dans les 21 premiers
pour pouvoir faire la poursuite. Et la poursuite, c'est 5 tours, un petit peu comme l'individuel. Dans l'individuel, quand vous ratez votre cible, vous prenez 15 secondes de pénalité. Au sprint, quand vous ratez votre cible, vous faites un tour d'anneau, qu'on appellera bien évidemment un tour d'anus, parce qu'on aime l'humour. On ira donc à Oberhof avec une individuelle et une mastart. Pour faire la mastart, il faut faire partie des 21 premiers du classement général. On ira à Ruhpolding aussi en Allemagne. On ira pour les championships à Tchumen en Russie. On finira par la Finlande et Annecy, le grand bornant. Pour notre plus grand plaisir. Donc ça va partir, objectif se qualifier pour la World Cup. Chaque fin de saison on a des points pour faire progresser les stats de notre joueur. On va essayer en tout cas d'être assez grand. Pour le moment on doit faire le stat on doit bien regarder la température. On voit qu'il fait cool, donc c'est doux et qu'il a neigé. Donc vous avez un petit élément qui est le tableau que vous pouvez trouver sur mon Discord, je vous mets le lien en description, qui me permet de déterminer, voilà, quand c'est cool, c'est entre moins 1 et moins 5 degrés, et donc du coup, il y a eu de la neige, donc oui, c'est de la nouvelle neige, sinon il y a écrit non, et là, comme c'est de la nouvelle neige, on va regarder cool et nouvelle neige, on va essayer de faire un truc entre les deux, voilà, on va essayer de prendre ça, on aurait pu prendre des risques en faisant ça, mais donc du coup, on va aller choper ça, et ça, c'est donc les Hamilton et Team 3, donc c'est ça qu'on va prendre, voilà, c'est à peu près ça que j'utilise, bon, certains diront peut-être, tu vas un peu trop loin, sans doute. A-Team 3, on y va, donc entre plus 2 et moins 6 degrés, donc si on voit que ça s'affichera en haut à droite, qu'on sera entre plus 2 et moins 6 degrés sur de la nouvelle neige, ça ira très bien. Ça part, première course de la saison pour Nico Delamort. Nico Delamort. On parlera juste derrière, on partira juste derrière Luis Suarez. Là le sprint, dans ce course individuelle, c'est chacun part... Chacun son tour, là, ça tombe dans le chiotte, bien évidemment, et chacun part à 10 secondes d'intervalle. Il faut pas rater. Il faut pas rater l'individuel. L'individuel, directement, faut qu'on s'impose. Hein. Faut qu'on s'impose. Et ça part. Et putain, j'ai oublié les notes. J'ai oublié de basculer en... Aïe. Il faut basculer en QWERTY. J'avais oublié de basculer en QWERTY. Ça part. Ah, la boulette. La boulette directement. On commence directement avec... Une petite dinguerie, on perd une grosse seconde, ça fait toujours plaisir. Et là, on a le premier mur. Et là, on affronte le premier mur. En haut à droite, vous avez donc le BPM du joueur, qui est très important pour, notamment avant les tirs. Si t'arrives avec 190 de BPM, t'étonnes pas que la cible, que son fusil ne le tienne pas correctement. Qu'est-ce que je branle? Je fais n'importe quoi, là. On a ensuite le kilomètre heure du mec. Et on a la température, on avait dit entre moins 6 et 2 degrés. On est à moins 5, c'est correct. Ah, c'est les premières courses, hein. On découvre un peu le joueur. C'est pas exceptionnel, hein. Oh là là. C'est pas exceptionnel, mais on est... Ouais, non, on est de la merde. Allez, faut rester aux alentours des 30 km/h, 28, 26, c'est pas mal. C'est correct pour Francisco, pas du tout Francisco, mais pour Nico Delamort, je confonds, parce que en live, bien évidemment, sur Twitch, j'utilise Francisco Panache, mais là, on est bien avec Nico Delamort. Nico Delamort sur YouTube, Francisco Panache sur Twitch, je vais y arriver. Allez mon petit, allez ça part. Ce jeu est donc gratuit, il y a un système donc de stamina, hein. Vous voyez la grosse barre bleue là qui est juste à côté de moi. La grosse barre bleue c'est la stamina globale. Là je fais des petites accels avant la descente et en tout chute tu prends la vitesse. Et là faut, tu vois on est monté à 200 de BPM, ça va être un délire. On est monté à 200 de BPM avant le pas de tir. Là on arrive au premier pas de tir, ça va être un premier coucher. Peut-être que j'arrive trop fort là. On est dans le rouge. On est complètement dans le rouge. J'ai peur. 15 secondes de pénalité à chaque fois que tu rates une cible. Oh, c'est pas mal quand même. Après on tire quand même assez vite. Malheureusement on a pris les 15 secondes de péna. C'est terrible. On a pris ces 15 secondes de péna qui vont nous mettre vraiment dans la sauce. Mais bon, tant pis, c'est de notre faute. On le savait. Le public est assez bruyant au Canada. Ça ressemble à des otaries. Hein. Tout le long du jeu, ce sont des otaries. Concrètement, ça fait... Tu fais vachement bien l'otari. Merci. Allez, le mur, on accélère dans le mur. On est à 13 secondes. Bah ouais, on a pris 15 secondes de peine. C'est terrible. On est 13e actuellement. C'est pas le... c'est pas la meilleure place. Hein. Je connais pas un petit peu en biathlon, mais... On a dit 13e, c'est pas ouf. Faut qu'on soit dans l'individuel. Oui, on s'en fout, c'est pas comme un sprint où il faut finir dans les 20 premiers. Mais là, faut quand même être un petit peu bien placé quand même pour lancer la saison, l'IBU Cup. En plus, on verra si nos amis Francisco Panache, Luis Suarez, etc., qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire eux. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir.
Ah, par contre, la petite erreur, là, c'est dommage. La première balle. On notera que Nicolas Lamant, sa première balle en compétition. Parti dans les nuages. Ça fait un peu chier. Allez. Allez, mon Nico. Allez, mon Nico. J'ai l'impression que c'est... Ah oui, c'est un Argentin. Vous le voyez à la manche à droite. C'est soit Francisco Panache. Je sais pas, mais on le dépasse salement. Je sais pas qui on vient de dépasser. Peut-être qu'on lui a mis un petit coup moral. C'est peut-être Luis Suarez ou Diego Maradona. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a énormément de BPM. Après, on est jeune. Hein. L'avantage, c'est qu'on a 18 ans. Quand t'as 18 ans, tu peux monter dans le cardio. Quand t'as 34 ans, 192 BPM, t'es en PLS. Donc là, on y croit. Hein ? On y croit. Oui, on y croit. On y croit. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Allez, bordel. Allez, bordel. Fais-nous honneur. Le premier debout. Fais-nous honneur. Pas d'erreur. La gâchette. Ça bouge. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On joue en difficulté médium. Hein. C'est comme vous pouvez le constater, les cibles sont assez proches. Même s'il y a encore une difficulté. Il y a 4 stades de difficulté. Vous pouvez avoir encore plus les cibles zoomées. Mais là, on est pas mal. On est quatrième. C'est pas mal. Ça fait des erreurs aussi. On voit que c'était Suarez. Hein. Suarez qu'on a dépassé qui a fait lui une erreur. Et vous pouvez avoir les cibles de plus en plus loin en difficile et en ultime. Alors en ultime, les cibles, vous les voyez plus. Hein. Il suffit qu'il y ait du brouillard. C'est fini. On va mettre un petit coup de sprint. Quand vous tapotez votre barre espace, vous pouvez avoir la barre verte. Sauf que la barre bleue, autant elle se régénère. La barre verte ne se régénère pas. Donc ça, c'est une petite info qui est importante. Il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui l'utilisent dès le début, ceux qui la gardent pour la fin, pour le sprint final. Il y a deux écoles. Décidez. Moi, je peux pas prendre la décision pour vous. Faites comme vous voulez, moi, je peux pas prendre la décision pour vous. Allez, ça part à 6 secondes 8. 6 secondes 8. C'est pas mal pour le moment. Hein. Ce tir debout qui nous a mis bien. Là, on a encore un mur à affronter. On est au troisième tour. Il y aura un prochain coucher. Le coucher, c'est vraiment le tir que j'aime le moins. Il faut vraiment viser au cœur de la cible. Et là, vous avez vu que ça bougeait beaucoup. Sur le tir debout, ça bougeait beaucoup. On a eu un peu de réussite, un peu de maîtrise. On voit que c'est un Nico de la mort qui est plutôt pas mal, mais qui monte vite dans le cardio quand même. J'avais pas vu ça. Il monte quand même très très vite dans le cardio, l'ami. Après, voilà, c'est les débuts. Hein. Il a une note générale qui est en dessous de 80. C'est pas incroyable. Attends, il monte grave dans le cardio, putain, 197, il est excité ou quoi? Il faut se détendre, mec. Faut se détendre. Là, on est troisième. On était troisième, on voit qu'il faut que ça fasse des erreurs. On voit que Panache fait pas d'erreur. Francisco Panache fait pas d'erreur. Emilien Claude non plus fait pas d'erreur. On va se présenter sur le pas de tir pour le deuxième coucher. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Impeccable, ça. Putain, c'est fou de faire ça. Un coup on monte, un coup on descend, on était pas mal. Putain, mais quel connard. Non, on va pas commencer à l'insulter, c'est notre chouchou, bien sûr. Et ça fait chier. Ça fait un peu chier. Parce que putain, on voulait vraiment quelque chose de grand. Et là, voilà, on est à 15 secondes, putain. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait d'erreur, on aurait 15 secondes d'avance sur tout le monde, quoi. Là, il va falloir faire un debout parfait. Si on fait pas un debout parfait, on est mort. On est mort, c'est sûr. Allez, 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 on en profite. On en profite. De toute manière, ça se terminera sur une longue ligne droite. Allez, du touchous. Voilà, on coupe à la corde. Voilà, on va pas vite. On va pas vite sur les skis. Il fait combien? Moins 4 degrés. Pourtant, on est pas mal sur les skis, là. Je comprends pas. On consomme peut-être un petit peu trop. Je sais pas. J'espère qu'il faudra qu'il nous en reste un petit peu. Ah non, non, on a récupéré 5 secondes. On a récupéré 5 secondes. On est pas mal. On voit que Maradona est sur le pas de tir. Maradona, qu'est-ce qu'il fait? Maradona qui a fait une erreur. Maradona qui fait une erreur. C'est dommage. On voit le Biélorusse Bocharnikov qui fait cible pleine. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même. Après, on est en IBU Cup. Il y a moins de monde, moins de talent. On voit que c'est Douchenko qui est. Douchenko qui est donc quatrième, si je dis pas de bêtises. Voilà, on est bien quatrième. Le premier, c'est Dombrovski. On voit Dombrovski. Allez, c'est pas mal, ça gratte. Là, du coup, on a du mal à avoir toutes les infos parce que tout le monde n'est pas vraiment passé. Nous, on est parti sur la fin, donc on a quand même un petit peu de regard. Il a fait 3 fautes le premier, là. On va faire mieux quand même, bordel de merde. On va faire mieux que 3 fautes. Allez, le debout. On voit Strolia qui a fait des erreurs. Emilien Claude qui fait des erreurs. Dolder, s'il peut faire une erreur, on sait pas, ça se prend. Iliev qui fait une erreur, 2 erreurs. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Nico Dallamor qui se présente. Allez mon Nico, c'est l'Uruguay, c'est l'Argentine qui te regarde. Et c'est à sans faute.
C'est un sans faute pour Nico. Allez Nico France, vole mon Nico. Vole mon Nico, il y a un truc à aller chercher. Je suis sûr qu'il y a un truc à aller chercher. Pas la première place, elle me semble morte. Mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher, un podium. Un podium sur cette première course de l'année. Peut-être, t'es deuxième, à 2 secondes, il y a peut-être moyen de le récupérer. Il y a peut-être moyen de récupérer 2 secondes sur les skis. J'ai l'impression que Didier le farteur a fait le travail. Je pense qu'il y a moyen de récupérer là. Les 2 secondes, on est sur du moins 2 degrés, c'est exactement le bon choix de ski. Il y a moyen de récupérer, hein. Allez mon Nico. Allez mon Nico, donne tout mon Nico. Allez mon Nico, faut qu'il donne tout dans ce dernier tour. On accélère, on lâche les chevaux, il n'y a plus rien à espérer. On récupère pas grand chose malheureusement, on a pas réussi à récupérer les 2 secondes. Pour le moment, 2 secondes c'est énorme, et à la fois c'est si peu. Alors peut-être mon Nico, sur cette première course, peut-être qu'il peut nous faire rêver. Ah malheureusement on a fait 2 fautes, c'est terrible, on sait très bien que c'est sans faute. Une faute de moins, on aurait été dedans. Une faute de moins, c'était sûr, c'était bon. Ça fait chier bordel. Mais bon, on va pas l'accabler. Parce que c'est nous qui avons tiré de toute manière. On va pas câbler, hein. Ouais, on a récupéré un petit peu, 0-1, ça va pas suffire. Peut-être dans la montée, si l'autre il est cramé. Allez, on use l'intégralité du sprint. De toute manière, là maintenant, il n'y a plus qu'une grande ligne droite. Faut y aller mon Nico. Allez mon Nico, faut tout donner. Allez mon Nico, 40 km/h, 39 km/h. Allez mon Nico, reste sur du 28. Allez mon Nico, on déclenche le sprint jusqu'au bout Nico, il y a peut-être quelque chose. On va être deuxième. Pour le moment on est deuxième. On n'a pas réussi à être meilleur que Povarnitsyn qui a fait une seule erreur malheureusement. Emilien Claude qui fait 3. Il reste encore malheureusement. Il reste beaucoup de monde. Francisco Panache. Oh là là, Francisco Panache qui nous fait 7 fautes. Ouais, Francisco Panache qui est passé complètement à côté. Il y a peut-être un podium à récupérer. On va regarder voilà qui va arriver. Qui va arriver les uns après les autres. Et ils peuvent nous dépasser encore une fois au niveau du temps. Grâce, c'est le premier individuel pour le moment. Femling avec une seule erreur. On le gratte parce que sur les skis on a été solide. Ça c'est grâce à Didier. Merci Didier. Je t'ai dit merci Didier, calme-toi. Il reste encore 12 concurrents. Allez mon petit. Allez, c'est peut-être un premier podium pour Nico Delamore. Potentiellement le premier podium pour Nico. Nico. Oh putain, Luis Suarez qui a fait quoi? Oh, Luis Suarez, il est catastrophique. Luis Suarez 26, 27 maintenant, 28 Panache. Ah ouais, la team argentine qui est pas incroyable. Nico Delamore qui tient son podium, heureusement. Nico Delamore qui pour le moment tient le podium. Il reste 4 personnes. Il reste 4 personnes. Pour le moment, on tient. Il reste 2 personnes. Podium. Podium pour Nico. Premier podium pour Nico. Et par contre, on voit la team argentine-uruguay. Diego Maradona 29. 5 erreurs. Un 15 sur 20. Francisco Panache qui malheureusement lui fait un 13 sur 20. 13 sur 20, c'est cata, putain. Francisco, pas toi. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. 15 sur 20 pour Luis Suarez aussi. Là, on peut voir que sur les skis, on a été le plus fort. Aujourd'hui, sur les skis, on a été le plus rapide. Merci Didier. Ouais, de rien, mec. C'est mon boulot. Sacré Didier. Didier n'existe pas vraiment. C'est une invention de mon esprit. En termes de temps de tir, on n'a pas été mal non plus, hein. Qui a gagné, là? Qui est le connard qui est passé devant nous, alors? Il est où? Putain, je lui mets 14 secondes 6 sur les skis, putain. Mais comment j'ai perdu autant de temps? Il est où? Ah, il est juste devant sur le tir. Ah, ça se voit rien. Sur le tir, vous voyez, ça, c'est le temps de tir. On a mis, en gros, là, c'est le temps de référence de Birkeland, 6 secondes 9. Nous, on a mis 1 seconde de plus sur le premier. 0,4 sur le deuxième. 1,8 sur le troisième. 0,4 sur le quatrième. On est pas mal. Première médaille pour Nico Delamore. C'est très, très bien lancé. Parce qu'on met un maximum de points, c'est très, très bien lancé. Là, on voit, ça, c'est les grands à la World Cup. Björn Dahlen, Fourcade, Tarje Bø, Johannes Bø, Simon Destieux. Bon, c'est pas encore notre clan. Nous, on a 78, on n'est pas encore présent. Là, il fait très chaud et il n'y a pas de neige. C'est un sprint. Faut finir dans les 21 premiers. Si on ne finit pas dans les 21 premiers, on n'aura pas de poursuite. Il fait chaud, pas de neige. Donc, vieille neige. Il fait chaud, vieille neige. Donc, quand il fait chaud, c'est entre 0 et 6 degrés, quoi. Donc, vieille neige. Donc, on va aller chercher les skis, là. Je regarde mon tableau, hein, qui est accessible, bien évidemment, je le répète. Des Hamilton et Team 2. On va aller là, entre 0 et 6 degrés. Voilà, 0 et 6 degrés, on va aller chercher ça. On aura 4% de bonus. Faut qu'il fasse vraiment entre 0 et 6 degrés, on espère en tout cas. Allez, Nico. On part dans le fond, c'est pas mal. Sauf que là, il fait 3 degrés. On a dit qu'on était entre 0 et 6.
On a dit qu'on était entre 0 et 6. Le temps peut évoluer. Le temps peut évoluer. On part dans 5 minutes. J'espère qu'il va pas faire trop chaud. Là, pour le moment, 3 degrés, c'est parfait. Mais il faut pas qu'il fasse trop chaud, quoi. Eh ouais. Eh ouais, mais les gars, mais c'est important, ça. Eh ouais, mais c'est important, ça, les mecs. Eh ouais, mais vous, vous êtes là en train de vous dire... Oui, bon... Pff. Non, c'est important. 4 degrés. Impeccable. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais j'aime trop rater mes départs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non. Ok, quand ça vous arrive, ça, pas de panique, main menu. On est d'accord qu'il y a eu un bug, c'est pas de ma faute. On retourne là et on recommence. Pas de panique, il y a une erreur. On est d'accord qu'il y a une erreur. Vous pouvez choisir aussi de quand vous partez, ce qui peut être intéressant. On va partir en premier parce qu'on sait que la température va pas trop changer. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis bien en... Ah ouais, non, faut que je repasse là comme ça. Ok, des fois c'est quand tu passes en QWERTY, en AZERTY, j'ai un peu merdé, c'est de ma faute. Là on va partir dans les premiers, là il fait 1 degré, on est entre 0, j'ai ma lentille en plus qui déconne, entre 0 et 6 degrés. Allez, ça commence, on va partir dans les premiers directement, là non, c'est bon. Mais au moins voilà, je vous ai donné un tuyau quand vous avez un bug. C'est pas volontaire mais ça part. Allez, allez, directement, un petit coup de d'accel pour lancer un petit peu la partie 0 degré, ouais, faut... 0 degré, c'est... On est border, hein. On est border. Vaut mieux que ça se réchauffe là. Moins 1 degré, voilà, impeccable. Voilà, voilà, voilà. Je dis qu'il faut que ça se réchauffe, moins 1 degré, impeccable. Didier, t'as merdé. Didier, je te le dis, t'as merdé. Ferme-la, Didier. Didier, il fait moins 1 degré. Tu le vois qu'on est lent là sur les skis. Tu le vois que la neige est colle. Alors ferme-la. Chier, Didier. Moins 1 degré, impeccable, c'est de la merde. On a 0,6 secondes de retard. Bah ouais, mais la neige est colle. La neige est colle. Là, c'est très simple. On a 3 tours, c'est affiché en haut à gauche. Sur les 3 tours, vous avez donc un tir debout, un tir couché, on démarre par le couché. Et puis, il faut faire le moins d'erreurs possible parce que là, si vous faites vraiment beaucoup d'erreurs, vous êtes mort. Après, là, on est en IBU Cup, hein, la deuxième division. Donc, globalement, en IBU Cup, bon, ça va. T'as quand même des... T'as des peintres. Voilà, t'as quand même des peintres. Plus peintres que biathlètes. Chacun son domaine de prédilection. Mais bon, concrètement, il y a moyen que ça passe. Là, on peut accélérer. Hein. Il n'y a que 3 tours. J'accélère un petit peu avant de me mettre tout chousse. Mais vas-y, faut pas faire d'erreur. Là, c'est simple. Si vraiment on fait pas d'erreur, si on fait un 10 sur 10, on est obligatoirement là, on joue le podium. Si on fait une erreur, c'est chaud. Si on fait deux erreurs, on peut même sortir du top 20 et pas faire la poursuite. Ce qui serait quand même un échec sur cette première vidéo de Nico Delamore. On va faire une vidéo par étape, je pense, à chaque fois. Ça fera une petite vidéo d'une demi-heure à peu près. Allez! Oh, ça bouge terriblement. J'ai pris le temps. J'ai tiré, mon gars, une grand-mère. Mais il fallait prendre le temps. Il fallait prendre le temps parce qu'à un moment donné, sinon, tu fais un tour de péna. Et ton tour de péna, c'est à peu près 7 secondes et demie. Donc, moi, je veux bien. Mais là, pour le moment, on est en tête. On est en tête. Bon, après, tout le monde n'est pas passé. Hein. Tout le monde n'est pas passé. Luis Suarez est juste derrière nous. Ça fait plaisir. Ça, c'est la team argentine. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a que 8 biathlètes pour le moment qui sont sur le pas de tir. Il y a eu énormément d'erreurs, sauf Luis Suarez et Tsukasa, qui sont des vrais personnages. J'ai juste créé les Argentins. Les autres sont des vrais biathlètes. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que c'est bien développé à ce niveau-là. Ce sont des vrais biathlètes. Allez, tac, faut qu'on accélère. Hein. Faut qu'on accélère. Faut qu'on soit très agressif sur les skis en cas de défaillance au tir. Ouais, moi j'hésite pas à aller taper dans la machine parce que là Nico je sens qu'il en veut aujourd'hui. Voilà, on a déjà gagné une seconde de plus sur Luis Suarez. Luis Suarez qui est pas non plus une référence en la matière, on va pas se mentir. Autant il a du mordant. Tu l'as? Tu l'as? Ouais, moi je l'ai. Putain, j'ai ma lentille qui saute, c'est terrible. J'ai ma lentille qui saute. Putain, mais j'ai trop de soucis. C'est incroyable de faire ça, j'ai ma lentille qui saute, putain. Crachez-moi dans l'œil, putain. Faut que je pleure, putain. Le meilleur moyen, de toute manière, c'est rater le prochain tir, hein, si je veux pleurer. Là, je suis très agressif sur les skis volontairement, il n'y a que 3 tours. Hein. Il n'y a que 3 tours, il est très allé sur les skis, 40 km/h. Je vois qu'il fait moins 5 degrés, c'est bien Didier. Didier, finalement, c'est bien. Je t'ai un peu gueulé dessus, mais c'est bien, on aurait dû partir deuxième. Eh ouais, mais Didier, tu me dis de partir premier aussi. Eh ouais, mais t'es con, Didier. Toujours vraiment rejeter la faute sur une autre personne. Même fictive. Mentalement, c'est mieux. Allez, ça part. Tire debout.
Allez, un tour de pénal, un tour de pénalité, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Allez, cravache sur les skis, mon bonhomme, cravache sur les skis. Putain de merde, c'est dommage. Ah, fait chier, là. Il y a un peu l'inertie qui peut vous emmener très loin. La force centrifuge qui peut vraiment vous déporter, qui est pas très agréable. On est toujours premier, mais comme je vous le dis, hein, tout le monde n'est pas passé, là, pour le moment. Allez, allez, on met un petit coup de sprint, là, dedans. Dans la montée, on met un petit coup de sprint, de toute manière. On y croit. On est avec Nico. Nico, c'est quand même quelqu'un de solide. Nico, il sait que sur les skis... Ouais, tu vois, là, il y a déjà des mecs qui sont en avance sur nous. On sait que là, on a fait une erreur. Là, on a 7 secondes et demie à prendre d'avance. C'est possible. C'est possible parce que on a un bon skieur. Bah, tu vois, là, on va basculer deuxième. Je pense pas qu'on joue podium, là. Enfin, si y en a qui font des zéros, là. S'il y en a qui font des 10 sur 10, plutôt. On est foutu. Là, 7 secondes 8. Là, ça, c'est parfait. 7 secondes 8, c'est parfait. Je pense que Hugo, il a fait une erreur. Je pense qu'il a fait une erreur. Eh, mon gars, faut pas faire d'erreur. Ah, là, on va le bloquer dans les boudins. Vous avez vu, tac, la petite technique. Tu bloques dans les boudins, t'as vu. Bien sûr, si ça avait été Suarez ou autre. Je l'aurais pas bloqué dans les boudins, je suis pas un salaud non plus, mais... Ah voilà, c'est pas un frère argentin, quoi. Uruguayen argentin, je suis désolé, il n'y a pas l'Uruguay dans le jeu. J'ai dû me démerder. Le plus proche, c'est l'Argentine, ça reste la famille. Bien évidemment. La base part de Francisco Panache, bien sûr. Allez. Allez, on accélère encore un petit peu, là, avant de prendre la descente. Un maximum de vitesse, c'est tout droit. C'est tout droit. Quand t'arrives à peu près à 30 km/h, tu te relèves. Et t'envoies sur les skis. T'envoies sur les skis. Et là tu sprints tout ce que tu veux. Allez mon petit, faut prendre un maximum d'avance. 10 secondes 3. Pour le moment on est en tête. Mais il n'y a que 7 biathlètes qui sont arrivés. Luis Suarez a fait une seule erreur aussi. Il a 12 secondes. On a bien tartiné. Tout le monde a fait minimum une erreur. Maintenant on va voir ce qui va se passer. Il reste encore beaucoup de monde. On va peut-être malheureusement être, vous voyez, hein, sur la map, hein, là-bas. Bah là-bas plutôt. Là-bas. Il y a un maximum de personnes qui arrivent. Ouais putain. Povarnitin, encore une fois, qui nous nique toute notre ambiance, là. Putain, 3 secondes, mais il a pas fait d'erreur, lui. Eh ouais, si je fais pas d'erreur, forcément. Si je fais pas d'erreur, je suis fort sur les skis, donc c'est bon. Et tu vois, Porzhinev, t'as pas fait d'erreur. On a été plus fort que lui sur les skis, on lui met 2 secondes. Pour moi, c'est une belle performance. Sur les skis, je sais qu'on était solide. Quelle idée de faire une erreur au tir, quelle idée. Ben ouais, mais j'ai... Ouais, ouais. Mais c'est pas mal, hein. Pour un début de compète, c'est pas mal. Après, ça fait un petit moment que je joue au jeu, donc je pense que j'ai une certaine maîtrise. Maintenant, moi, j'aimerais bien que les autres collègues, là, si... Oh, putain, Prima qui me passe devant aussi. À 2 secondes 4. On va peut-être se faire éjecter du podium. Francisco Panache, toujours pas d'autre... Ouais, voilà, on se fait éjecter du podium par Dutchenko. Putain! Ah ouais, mais c'est relou. C'est relou. Diego Maradona qui va peut-être sortir. Faut être dans les 21 premiers pour faire la poursuite. Après sur la poursuite on est qu'à 3 secondes 4 hein. 3 secondes 4 sur la poursuite. On va tout donner hein. On va tout donner sur la course d'après. Allez mon petit. Allez mon petit. Ils sont où là? Luis Suarez est là. Diego Maradona est là. Où est Francisco Panache? Ah, Francisco Panache 13ème. À 8 secondes 6. Il est dans les temps. Il est dans les temps. Bon on finit 7ème hein. Je l'avais dit les gars, regardez-moi ça, il n'y a pas d'erreur. Au niveau des skis, on est comment? Au niveau des skis, on est aussi rapide que Finello qui est très rapide sur les skis. On n'est pas loin de Vindish. Strolia aussi qui est un bon gars. Et sur le tir, on n'est pas si mal. Hein. C'est juste qu'on a fait une erreur, putain. On va faire la poursuite. On enchaîne sur la poursuite. Et dans une prochaine vidéo, on fera l'étape d'après. Donc l'étape d'après qui sera à Oberhof en Allemagne. Mais là, on finit, hein, on lance la série. On lance la série, on est obligé de le faire. Il fait chaud, non, on l'a vu quand il fait chaud. On a vu que c'était l'Hamilton. Hamilton, A-Team 2, on a vu, il n'y a pas de neige, on est d'accord. Il n'y a pas de neige, il fait chaud. Tac, 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 tac. On a dit que c'était ça, on est d'accord. C'est entre 0 et 5 degrés, quoi, entre 0 et 6 degrés. Là, la poursuite, le concept est très simple. On prend les écarts du sprint. Et on part en fonction, vous voyez, Povarnitin qui était en tête, d'ailleurs il a le maillot jaune du leader, nous on a le maillot bleu qui est le, on est U25, voilà les jeunes maillots de meilleurs jeunes, allez ça va partir, ils vont partir, voilà ils partent, il va partir, après nous on partira quelques secondes après lui, bah du coup le temps qu'on a mis, mais on peut le rattraper, hein. Et là c'est comme en individuel, allez on va essayer de raccrocher directement le groupe, comme en individuel c'est 5 tours, mais quand même avec une petite contrainte de tour d'anneau, hein, bien sûr. Il n'y a pas de pénalité de 15 secondes, c'est juste des tours d'anneau. Sur le premier mur, directement, on fait notre retard. Hein. Sur le premier mur, on fait notre retard. On sait que sur les skis, on est au-dessus d'eux.
En plus, on a Didi qui fait le boulot. Allez, allez, on passe entre les deux. On bloque dans les boudins. On n'oublie pas cette stratégie, bien sûr, de salope. C'est important. Un peu d'être fourbe. Ah, ça se bat fort. Après, il faut que je sois un peu plus à l'économie. On a déjà récupéré la quatrième place. Pour le moment, on est quatrième. Il faut être un peu plus à l'économie parce qu'à 5 tours, maintenant, on est pas mal. On est pas mal quand même. Là, on va arriver, on va mettre la pression. On met la pression. C'est quoi? C'est un Finlandais devant. J'ai pas fait gaffe. On voit, il y a le Russe devant. Devant, c'est Dutchenko. Ah, c'est, ouais, c'est Idensalo. Idensalo, le Finlandais. Qui porte bien son nom de famille. C'est gratuit. Allez, mon petit. Allez, on met la pression. C'est vrai qu'il déclenche plus vite le Schuss. On va arriver deuxième sur le pas de tir. Deuxième sur le pas de tir. On évite de sprinter avant le pas de tir parce que ça fait monter le cardio. Ah, oh, mais sur le ski, on est. On va peut-être même être premier sur le pas de tir. Premier sur le pas de tir. Nico Delamor, qui représente l'Argentine. Et l'Uruguay, bien évidemment, dans le cœur. Nico Delamor. Ah non, on est. Ouais, premier sur le pas de tir. Premier sur le pas de tir. Le coucher. Il y a 5 tirs. Pas d'erreur. Et c'est à sans faute. Et on a tiré plus vite que tout le monde. On est les seuls à faire. Non, Idensalo aussi va repartir. Idensalo aussi va repartir. Mais nous, on est bon. Nous, on est bon. Salut les cons. On se trace. Ça a donné quoi du côté de Panache? Panache qui fait une erreur, malheureusement, qui a fait un tour d'anneau. Suarez qui fait deux erreurs. Suarez qui blanchit. Suarez qui blanchit tout. Suarez aussi qui repart sans erreur. On n'est pas nombreux à avoir pas fait d'erreur. C'est bon ça. C'est bon, c'est la team argentine là qui est pas mal. On est quand même trois concurrents de la team argentine. Moi, j'aimerais bien que ça progresse avec moi là. Pour vivre l'aventure en World Cup. Ça serait beau. Ok, on a Idensalo dans les pattes. On a Varabey, le Biélorusse, qui est pas loin. Ce sont des vrais biathlètes. Hein. Ce sont des vrais biathlètes, ces gens-là. Mais Nico Delamor aussi, à l'origine, c'est quoi? C'est juste un joueur de foot. Et puis voilà, tu connais, voilà. Pas les croiser, mais bon, voilà. C'est à un moment donné, un jour, la passion pour le ballon, on t'abandonne. Et puis voilà, tu passes sur autre chose. Allez, 30 km/h, ça part. Let's go mon Nico. 5 secondes, on est plus fort. On le voit même plus. Ça dégage. Bon, si ça devient trop simple, bien évidemment, j'augmenterai la difficulté. Mais quand même, ne vendons pas la peau de l'ours, tout ça. On est en deuxième division, on sait qu'on joue pas contre des cracks. Si on domine la deuxième division, ça veut juste dire qu'on est bon pour la première. Ça veut pas juste dire, voilà, là je m'enflamme, mais il y aura des jours moins roses. Il y aura des jours moins roses, on le sait. C'est le biathlon, ça, mon gars. Le biathlon, c'est un livre. Un livre où il y a plusieurs chapitres. Et tous les chapitres ne sont pas que de l'amour. Il y a parfois, malheureusement, de la tristesse. Allez, on veut pas le vivre aujourd'hui, la tristesse. On veut pas vivre aujourd'hui la tristesse. On est tout seul sur le pas de tir. On enchaîne. Le debout. Le coucher, bien sûr. Le deuxième coucher, bien évidemment. Je le savais. Oh, on en tire vite en plus! Il a même pas envoyé sa première balle! Qu'on est déjà parti! Excusez-nous, monsieur, on a un train à prendre! Idensalo qui peut peut-être faire une erreur! Non, Idensalo qui blanchit totalement les cibles! Varabey qui fait une erreur lui par contre! Dutchenko derrière, Dutchenko qui blanchit tout! Il est où, Panache? Panache est sur le pas de tir! On peut regarder aussi Francisco! Francisco qui fait malheureusement une erreur! Suarez qui tire lui! Francisco qui enchaîne les erreurs! Francisco, bordel, le tir, merde! Faut bosser! Et ouais, non, mais ça c'est des gros baiseurs ça! Il pense à tirer, mais pas dans les cibles quoi! Suarez qui fait quoi? Suarez qui blanchit tout, qui a fait une erreur. Suarez qui a fait une erreur. Putain, les mecs! Eh, mais la team argentine, là, vous représentez rien. Bah, vache, il a fait n'importe quoi! Parce que je t'ai appris, Francisco! Eh, Nico, il s'envole. C'est un albatros. C'est un condor. Un condor venu tout droit des Andes. Bien évidemment, un aigle royal. Calme-toi, Michel. Ça peut revenir comme un boomerang. Bon, là, on a une erreur d'avance, entre guillemets, puisque un tour d'anneau, c'est à peu près 7 secondes et demie. Mais on est très, très, très solide sur les skis. Après, voilà, après, moi, je suis très agressif. J'ai un ski agressif, on le dit dans le jargon. Hein. Dans le milieu, les gens le savent. Hein. Les gens le disent. Putain, t'as vu Nico Delamor, son ski agressif? Oh, oui. Oh, le ski est tellement agressif de Nico. On aura deux tours derrière. On enchaîne, on continue vers l'infini au-delà. On seconde 3 d'avance. Je me suis relevé un peu tôt, là. Le cardio est assez haut.
Allez, mon petit. Allez, mon petit. Allez, le premier debout. Le debout, on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. Ah, je vais pas vous mentir que là, on est un petit peu... Normalement, on est pas mal sur le debout. Pas me chier après avoir dit ça. Oh là 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 là, la mitraillette. Et là on met une pression monumentale. La pression est monumentale sur Eden Salo qui arrête le premier tir bien évidemment. Ça supporte pas la pression. Dutchenko aussi qui a la pression. Dutchenko qui a la pression aussi. Dutchenko va peut-être faire une erreur. S'il faut une erreur, c'est la médaille assurée, hein. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est le titre assuré. Eden Salo qui a fait une erreur. Dutchenko qui blanchit toutes les cibles. On est bon. On est très très bon. Oh, on est en véritable maîtrise. On est en véritable maîtrise. On met un petit coup de boost. On y va. On y va. On est en train d'agresser. On est en train de tuer le concours. Il est en train vraiment de tuer le concours là. Oh oui. Ah oui, on est en train de mettre un grand coup. Un grand coup dans le milieu du biathlon. Personne ne le voyait arriver celui-là. Nico Delamort, uruguayen, naturalisé argentin pour l'occasion. Qui est en train de réaliser une performance XXL. Et c'est pas un lien avec la chaîne 154. Hein. Non. Allez, ça part, toujours, ça continue. Bon, énormément d'avance pour Nico Delamort. Putain, ça me fait plaisir parce qu'en live sur Twitch, pas vous mentir que Francisco Panache, il a pas la même réussite. On est en World Cup avec lui. Et il y a des petits Emilien Jacquelin, des petits Tarier Beu qui nous mettent des Johannes Beu plutôt. Qui nous mettent des sacrés claques sur les skis. Mais là on est bien, mentalement on est bien. Là déjà sur le tir, si t'es bien, on va dire 20 secondes d'avance sur Dutchenko. Là je vous annonce, hein, je pourrais en foutre 3 dehors que ça serait pas mal. Hein. J'en fous 3 dehors, c'est pas grave. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour une médaille d'or. La première médaille d'or, c'est ce qu'on va chercher pour Francisco. Pour Nico Delamort, pardon, des formations professionnelles. Allez mon Nico. Ouais, il y a une erreur, on s'est un peu excité. Mais normalement, ça devrait quand même le faire. Ils sont même pas sur le pas de tir. Je pourrais faire un tour dans l'autre sens que tout le monde s'en foutrait. Allez, ça prend quand même sec. Attention à la force centrifuge. Ah, voilà, ça me fait glisser un peu, vous avez vu. Ça te déporte un petit peu. Allez, on y va, on termine ce tour. On boucle ce tour et on n'en parle plus. Allez, mon Nico. Allez, c'est excellent. Allez, encore un petit peu d'accès là-dedans. Voilà, faut que ça brûle dans les cuisses, bordel. Faut que ça brûle dans les cuisses. T'es pas venu ici pour repeindre la neige en blanc. Je te le dis, mon gars. Allez. Oh, ce petit boule en plus bien tendu. Enfin bon, bref, après, on peut allier aussi l'utile à l'agréable. Allez. Allez, Nico. Allez, mon Nico. Allez, mon Nico. On est très, très bien, là. On est très, très bien. On a une avance, vous le voyez sur la minimap, on a une avance qui est insolente. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il y avait deux mondes. Il y avait le monde de Nico et il y avait le monde des autres. Nico et les autres. Suarez et Panache qui refont une erreur, malheureusement. Voilà, ils ont fait des tours d'anneau, les mecs. Les mecs, ils ont passé leur temps à faire le tour. Hein. Incroyable. Et là, on va prendre ce petit mur, le dernier petit mur. Et après, on aura une grande descente qui va nous amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Encore deux virages. Deux virages et puis il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Faut se faire plaisir, mon Nico. La première victoire, la première médaille, elle est là. Elle est là, la première victoire. Oui, mon petit. Va la chercher. Elle est pour toi, mon Nico. Elle est pour toi, mon Nico. Et on finit en sprint, on se fait plaisir. Il n'y a personne derrière. Il n'y a que toi. Et c'est la victoire. Nico, quand je dis ni, vous dites go, ni, quand je dis ni, vous dites go, ni. Et complètement con en fait, parce qu'on n'est pas en direct. Il veut qu'on mette ça dans les commentaires YouTube. Il est con ce mec. Il est con, hein. Bon, ma première victoire. Bon, sur les skis, on a été intraitable. Quand même, attention Vindish, hein, le jour où il fait des sans faute. Sur le shooting time, on a été très, très, très rapide. Oh, mais là, je me suis tellement amélioré sur le shooting time. Oh, oh, des 6 secondes. On envoie. Ouais, le premier shoot debout, il a été assez Lucky Luke. Faut faire en dessous de 6 secondes, j'ai déjà fait, mais faut être quand même assez solide.
faut être quand même assez solide. Oh, c'est beau ça, superbe. En vrai, je suis hyper content. La prochaine étape, ce sera donc Oberhof. Voilà la prochaine étape de la campagne. Pour le moment, franchement, c'est sublime. Sur les résultats, on a une deuxième place, une septième place en sprint et une première place en poursuite. Sur l'individuel, on a assez monstrueux. On voit en termes de points, vous le voyez, le total score, il faut être dans les 6 premiers. Pour Nico Delamort, pas mal, 150 points. Vous voyez, on est classé parmi les jeunes. Francisco Panache est à 58 points, Luis Suarez est à 54 et malheureusement Diego Maradona est à 28 points seulement. Voilà, on verra l'évolution de ces 4 Argentins la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaise, il y a également Arthur Rey qui fait une carrière sur le jeu NGL Biathlon. Si vous voulez télécharger le jeu, je vous mets la vidéo pour tout installer, etc. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Et il y a également AlexGaming34. Voilà, je mets le lien également de tous ces streamers et youtubeurs qui font du NGL Biathlon dans la description si ça vous plaît. Je fais des très très gros bisous. On se retrouve très vite pour la partie 2 de la carrière de notre ami Nico Delamore. Nico Delamore.